On se retrouve à l'abbaye du Valas, site historique par ses monuments. Mais qu'est-ce que je raconte moi ? Salut à tous, c'est Vinka. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Moi je vais divinement bien parce qu'on est à la Gruche et Geek Convention, la 5e édition. Et il y a déjà beaucoup de monde comme vous pouvez le voir juste là. Et bah écoutez, moi ce que je propose c'est qu'on rejoigne la file d'attente et c'est parti ! Alors ça y est, on est à l'intérieur du bâtiment. Ça a demandé beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de monde dehors. La file d'attente est monumentale, mais ça y est, on y est. Le moment est intense, insane, je dirais même. Et on va faire un petit tour pour découvrir tout ça. C'est parti. La Gruche et Geek Convention, c'est beaucoup de jeux vidéo, mais c'est aussi du cosplay. Et avec un défilé de cosplay que je vous propose immédiatement. Alors je suis obligé de parler assez fort parce qu'il y a une sacrée ambiance ici, mais l'immense avantage de cette convention, c'est que c'est pour tous les âges. On retrouve des jeux rétro, mais vraiment bien rétro, comme par exemple ici, la bande qui fait du Tetris. Alors j'espère que ça fasse bien la caméra, qu'il n'y ait pas de problème, mais on retrouve du Tetris. Alors ça rappelle des souvenirs, mais incroyables.
Surtout à moi qui suis un humble vieux gamer, j'ai envie de vous dire, qui suis perdu sur les nouveaux jeux, bah là je m'y retrouve. Et on retrouve bien évidemment une console qui a fait qui a fait parler d'elle au moment de son époque, la fameuse Sony, la PlayStation. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir y rejouer en dehors de la maison et aussi partager tout ça avec des personnes qui ont la passion du gaming. Et ça, c'est vraiment super top. Vive la Gaucher Gay Convention! On est bien d'accord, une convention n'est rien sans des guests. Et des guests, il y en avait, au nombre de 4. On pouvait les voir individuellement, cependant, la file d'attente était beaucoup trop longue pour aller les voir. Mais, on a eu la chance de les voir sur scène. Voyons ça ensemble. Comme je l'ai dit, on a pu les voir sur scène, car ils répondaient à une FAQ. D'ailleurs, merci à eux. Cependant, on était assez loin, mais en même temps, quel guest ! Il y avait énormément de monde devant la scène ! Puisqu'il y avait Donald Renew, voix française régulière d'acteurs américains, mais aussi entre autres de Titoff et Hugo dans le dessin animé du même nom. Il est particulièrement connu pour être la voix française de Spider-Man dans le film Amazing Spider-Man. Kellyanne Blanc, lui aussi doubleur français de films d'animation ainsi que de jeux vidéo. Il est particulièrement connu comme étant la voix française de Harry Potter, interprété par Daniel Radcliffe. Le grand Padge, comédien, producteur, chanteur et musicien français. Grand doubleur français, sa voix est particulièrement connue dans de nombreux films d'animation, de spots publicitaires ou dans le monde vidéoludique. Et bien évidemment, Bob Lennon. On ne le présente plus tellement il a marqué l'histoire du YouTube Game, Vidéas Web, auteur et comédien de doublage français spécialisé dans le jeu vidéo. Bob, que l'on surnomme le roi. Et quel roi, car il était en fin de maladie et il nous a fait la surprise de venir sur scène à la fin de la FAQ. FAQ animée par notre très très cher Salut les Noobs, que l'on salue bien bas. Oui, oui, c'est lui là, là, juste là, tu vois, c'est lui. Foire aux questions auxquelles j'ai pu participer, j'ai pu poser une question à Padge, Kellyanne et Donald par rapport au doublage de leur voix. Regardons ça ensemble, et d'avance, je m'excuse par rapport à la qualité du micro, c'était pas évident, mais je veux vraiment que vous entendiez ces voix sublimes. Est-ce qu'il y a une réplique favorite que vous avez, et est-ce que vous pouvez nous la faire en direct live? Bienvenue à l'auberge, restez légendaire doré. Bravo, bravo. Moi, la phrase qu'on me demande peut-être le plus, c'est sur la carte du maraudeur, qui fait « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Ouais. » Un couteau ? C'est un couteau ? Un petit couteau sur mon point faible, un petit couteau ! J'adore ! Bon, écoute, après, il a aussi évolué, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé, hein, c'est pas juste.
Alors on profite qu'il y a un peu moins de monde pour circuler dans les allées, c'est beaucoup plus agréable, il y a moins de monde. Mais l'un des gros points forts de cette convention, c'est aussi la quantité des stands. Et il y en a un beau paquet avec des produits locaux, mais ça peut être des stands de jeux de société, ça peut être aussi des stands de goodies, de licences que l'on connaît très bien comme Harry Potter. Donc vraiment, ce sont vraiment des stands locaux, j'ai envie de vous dire. J'ai même du mal à en parler, disons. Mais ça fait extrêmement plaisir et j'ai très peur de rentrer dans quelqu'un, donc ça fait très très peur. Mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de voir la variété de produits que peut proposer la Goucher Geek Convention. Alors on est actuellement sur le stand de DK Création Cuir. C'est votre première Goucher Geek Convention ? Oui, c'est ma première même convention geek tout court et on est super content d'être là avec vous. Ah, c'est une grande découverte pour vous pour le coup. C'est ça. Alors nous on faisait des événements geek à titre perso avant parce qu'on faisait des costumes Star Wars et tout ça. Et donc on est devenu professionnel, donc on bosse les week-ends, les loisirs sont passés après. Donc on est super content de revenir avec le stand sur un événement geek. Mais rencontrer des personnes comme vous, c'est un privilège et c'est un plaisir. Donc merci du coup beaucoup. Ça va. Merci. Et du coup, est-ce que vous avez des... Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors nous, on est à 1h15 d'ici, on est à Saint-Pierre-sur-Dive. À Saint-Pierre-sur-Dive, vous pouvez découvrir notre boutique dans un événement, dans une ambiance victorienne, parce qu'on a la boutique, un salon de thé ambiance 1900. Et dans ce salon de thé, on organise des événements. Par exemple, le 26 et 27 mars, on organise l'école des sorciers, donc thématique Harry Potter. J'ai pas trop le droit de le dire, mais je le dis quand même, c'est pas grave. Une exclue. Voilà, donc dans cet événement, vous allez avoir le salon de thé aux couleurs de Poudlard. Vous allez avoir un spectacle de magie Emelius et l'école des sorciers, des expériences immersives, le Choixpeau, Ollivander's expérience avec la baguette, la quête de la pierre philosophale, des gourmandises, des choco-grenouilles, des cakes guéros beurre, des cookies araignées et instant photo avec David, un super photographe professionnel qui vous propose de vous faire prendre en photo dans un vrai décor de classe de potions. Nous serons tous dans des professeurs, voilà, dans notre rôle de professeur et on vous accueillera avec grand plaisir. Eh bien nous, on sera là-bas avec grand plaisir. Merci beaucoup. On a hâte. On a la chance d'être avec Marie-Amélie, la créatrice de l'affiche justement de la Goucher Geek Convention. C'est bien toi ? C'est moi. D'où est venue cette inspiration de cette affiche, si on peut avancer un peu la caméra ? D'où est venue par exemple, pourquoi un Ronflex à cet endroit ? Pourquoi un Vif d'Or, etc. Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Bah, quand on a commencé à discuter du sujet de la convention, on m'avait dit que c'était Harry Potter, la magie, les sorciers. Et du coup, j'avais comme contrainte de garder l'environnement de l'abbaye. D'accord. C'était la contrainte, il fallait que je le mette sur l'affiche. Et après, c'était du meublage. Du coup, j'ai proposé un Ronflex parce que ça me faisait marrer. Et ils ont tout de suite validé le Ronflex. Ils ont fait « Oui, tu le gardes ». Après, comme l'invité, c'était Bob Lennon, il voulait absolument sur l'affiche. Naturellement. Naturellement. Et pour le perso principal, donc c'est Rému du jeu Tout Project, et comme c'est un jeu assez méconnu, ça touche un peu la niche et tout, et c'est un truc qui me plaît, et ça attire du monde, c'est sympa. Et j'aime beaucoup ce perso en général. Et, d'accord. Du coup, je me suis éclatée, j'ai fait un petit bif d'or, c'est de l'amusement quoi. Ah, impeccable. Et juste une question comme ça, tu as passé combien de temps à la faire ? La production de l'affiche m'a pris un petit mois parce que vraiment de A à Z, en gros les idées et tout, la compo, etc. Ouais. Mais ouais, je dirais qu'en temps de production entièrement avec le dessin, j'ai dû mettre une trentaine d'heures. Ah oui, quand même, ça se fait pas comme ça. Hein. Ah non, ça se fait pas comme ça, surtout à l'ordinateur, on croit que c'est facile, mais en vrai pas du tout. Ah non, parce que là en plus j'ai poussé un peu mes limites, je me suis dit vas-y, on va faire un truc nouveau. Du coup, je me suis vraiment embêtée à peindre vraiment naturellement de la peau, des reflets, de la lumière et tout. Et voilà, quoi, c'est le truc qui m'éclate et c'est ce que j'aime faire. Quoi. Bah bravo, c'est très réussi. Bravo, merci bravo. Et bien merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.
Alors on est devant le stand de Tale of Apothecary. C'est bien ça? J'ai bien prononcé? Oui, c'est parfait. Ah, j'ai eu peur parce que je me suis entraîné pour le coup. Un stand magnifique de création de potions, mais je vais te laisser nous en parler un petit peu. Tale of Apothecary, c'est quoi exactement? Alors, ce sont des potions décoratives non comestibles pour les moldus. C'est pour apporter un peu de magie dans la décoration intérieure de toutes les personnes qui le souhaitent. D'accord, bah c'est très réussi, bravo, c'est magnifique, franchement, c'est vraiment magnifique. Et est-ce que c'est ta première convention? Alors, en vrai, non, c'est la deuxième convention qu'on fait, mais c'est la première pour la vente des potions. D'accord, et est-ce que tout se passe bien? C'est parfait, c'est merveilleux, et j'ai hâte à l'année prochaine pour Grosch. Oh, carrément, oui. Carrément. Ah oui, carrément. Bah, c'est très bien, bah, ça c'est magnifique. Et si on veut vous retrouver vos produits, où est-ce qu'on peut aller? Alors, on est disponible sur Instagram et Facebook pour les réseaux sociaux, et vous pouvez aussi acheter nos potions sur la plateforme Etsy. D'accord, impeccable. Ah ben, bah d'ailleurs, on mettra l'Instagram, notamment de Tale of Apothecary, dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. C'est moi, passez un bon week-end et une bonne journée. Merci, merci. Pour mettre encore plus à l'honneur les cosplays, la Grosch & Geek Convention avait organisé un concours de cosplay. Voyons ça immédiatement. Et pour ce concours, j'ai eu l'honneur, l'immense honneur de pouvoir filmer directement sur scène. D'ailleurs, je tiens à remercier sincèrement les organisateurs de la Grosch & Geek Convention de m'avoir offert cette opportunité. Bien sûr, montrer l'intégralité du concours serait beaucoup trop long. Donc je vous propose un petit condensé de ce concours. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter le jury pour ce concours. Des maîtres du cosplay, puisque nous avons Louami, Fieline et Grievous.
Et dans cette immense foule, nous avons eu le plaisir de découvrir des abonnés, des membres de la Vinca Family, mais pas que, puisque nous avons aussi découvert deux personnes qui sont passées dans l'émission, mais aussi deux autres personnes que l'on a déjà vues il y a 2 ans à la même convention. Regardons ça. Et quelle belle surprise à la Goucher Geek Convention, puisqu'on est tombé sur la traqueuse N7, sinon je vais me faire disputer. Oui, tout à fait, c'est vrai. Je suis très contente de te rencontrer en vrai, en réel live. Oui, ça fait bizarre. En plus, bon, là, ça va pas être valorisant pour toi, mais la grand con en titre de question pour un grand con est là. Tout à fait, grand con, oui, j'avais déjà oublié, mais oui, tout à fait, je suis encore la plus grosse conne du monde. Voilà. Non, mais voilà. On l'a pas dit, mais il y a un public en furie derrière. Non, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette Grucher Geek Convention? Eh ben, écoute, c'est la première fois que je fais une Grucher Geek et je trouve ça vraiment. Déjà, au niveau du cadre, c'est beau, on est bien, on est à l'aise. Et puis, ça faisait vraiment trop longtemps qu'on n'avait pas fait de convention. Voir des gens costumés dans l'ambiance, c'est vraiment un plaisir total, franchement. C'est le top. Et puis j'ai craqué de toute façon. On sent que t'es ravi. Oui, t'as craqué. Tu veux dire ce que t'as appris ou pas? Ouais. Qu'est-ce que j'ai pris? Oula. Alors, pas mal de lithographie pour réaménager toute ma gaming room. Donc c'est le style Monster Hunter, c'est que les monstres en fait Monster Hunter. Bon, il y a eu des marque-pages Mass Effect parce que j'étais obligée de tout prendre. J'ai eu des jeux à Matos and Game, beaucoup, hein, des jeux de PSP. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu un jeu de PS3, pardon, c'était Disgaea 4. Et là, le gros collector, j'ai complètement éclaté le budget. Attention. Le collector de Cyberpunk, l'énorme collector avec la figurine, là, tout est complet. Voilà. Voilà, t'as craqué. Ça, c'est le virus de la Grucher Geek, en fait. C'est ça, c'est le problème. c'est l'ambiance, tout ça, c'est une horreur. En tout cas, je te remercie du passage dans la vidéo. Ça me fait très chaud au cœur, puis ça me fait plaisir de te voir. Bah, également, c'est pareil. Voilà. Des gros bisous à toi, puis à tout le monde, hein. Nico est là. Hey, Vinca est là aussi. Ouais, c'est incroyable. Eh, dis donc, on a repéré quelqu'un qu'on connaît très très bien, qui sont en outro de beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. On va essayer de les avoir. Je garantis rien, mais on les connaît, ces deux-là. Ces deux-là, on les connaît. Mais oui, ils sont outro de toutes les vidéos, bonjour. Comment ça va, les gars? Bah écoute, on est là. on est là. Toujours. Vous êtes au taquet, on vous cherchait partout. Non, Yoshi, on t'a dit on a niche. Et Yoshi aussi. On t'a dit à la niche. Couche, assis. Non. Ok, t'as gagné. Allez. Ils sont on fire. Voilà, il se passe trop de trucs. c'est un truc de dingue. On arrive, il se passe des trucs. C'est une vraie convention. Ouais. Et là, tu vois un truc encore dingue. Il y en a deux là-bas qui essayent de passer discretos. Il y a plein. Oui. Il y a plein de Mario, il y a plein de Luigi. Vas-y, oui, t'as filmé. On est encerclé Nintendo. Tous les cosplays arrivent, c'est un truc de dingue. Incroyable, insane. Bonjour, allez voir mes aventures, c'est du Mario. Quand même, il n'y a qu'à la Grucher Geek Convention qu'on peut voir Mario et Wario côte à côte avec toute la bande. Alors c'est pas vrai, c'est le meilleur. Waluigi là, voilà. Waluigi, faut venir Waluigi. Waluigi, enfin, reste pas pour une grande finale. Tu devrais t'imposer justement. Allez, on prend la belle pose de groupe. On fait genre, on est une belle famille. On retournera se taper dessus plus tard. Ouais. Ah, comme la télé-réalité. Ouais, c'est ça. Alors, ces 2 jours de convention touchent à leur fin. Franchement, c'était incroyable. Comme vous voyez derrière moi, ça commence à ranger, les stands commencent à être repliés. On est resté les 2 jours et c'était vraiment épique. On a rencontré des personnes formidables. On a vu des cosplays, mais de folie. Et on a joué à plein de jeux vidéo. Franchement, c'est excellent. Vive la Grucher Geek Convention. Cette vidéo touche à sa fin, mais si tu l'as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit like, à la commenter, à la partager et à s'abonner à la chaîne Vinca tout en activant la petite cloche, ça aidera énormément la Vinca Family. Donc, je compte sur toi. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, gaming, unboxing, divertissement ou pourquoi pas live, surtout que je suis en live tous les vendredis soir 21h30 sur la chaîne Twitch Vinca, donc n'hésitez pas à venir et pourquoi pas se retrouver à une prochaine convention. Sur ce, je vous dis... Portez-vous bien, éclatez-vous bien, geekez bien, allez à des conventions, vous verrez, c'est mortel. C'était Vinca, ciao, bye bye.